Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tour de magie, cette fois-ci un tour de cartes. Un jeu de cartes est donné à mélanger à un spectateur. Une fois fait, celui-ci touche une carte. Par exemple, cette carte. C'est bon ? N'oubliez pas, la carte est dans le jeu. Le jeu est mélangé. Comme ceci. Il est coupé. Et maintenant, regardez. Je propose au spectateur de retrouver sa carte, non pas en la dévoilant d'une manière simple, mais plutôt subtile, au toucher. Déjà, première question. Est-ce que la carte que vous voyez ici est la carte du spectateur ? Non ? Très bien. Est-ce que cette carte que vous voyez est la carte du spectateur ? Non plus. D'accord. Alors, nous allons faire quelque chose de très très spécial. Regardez. Ce que je vais faire, je vais mélanger les cartes face en l'air avec des cartes face en bas. Comme ceci. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, regardons. Nous avons une partie des cartes face en bas et une partie des cartes qui est face en l'air. D'accord ? Ne clignez pas des yeux. Regardez. Je referme le tout. Et maintenant, je vais remettre de l'ordre. Très simple. Regardez bien. C'est fait. En un instant, j'ai pu localiser votre carte et pas n'importe quelle carte. Car il s'agit, regardez, du 8 de carreau. La seule carte face en l'air désormais dans le jeu. Voilà, j'espère que cette routine vous a plu. Si elle vous a plu, vous connaissez, faut liker, commenter. Et abonnez-vous pour les nouveaux abonnés, car il y a dans mes diverses playlists plein de tours de magie. Voilà.